Moteur, silence, action. J'ai fait de belles rencontres et il y a des amis avec qui je reste en lien, oui, des amis que je connais depuis petite. Quand tu dis l'école, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les filles, tout ça ou Priscilla, Stéphanie, Lauriane. L'école, comme une deuxième famille. À la fois passionnant, amusant. Alors franchement, ce que j'adore, c'est l'histoire. On fait un petit peu français, beaucoup de maths et beaucoup de géographie. Il y avait des matières comme l'histoire géo. J'aime bien toutes ces matières, un peu, voilà, même la politique. Enfin, c'est pas vraiment une matière d'école, mais par exemple, si vous voulez parler politique avec moi, il n'y a aucun problème. Il y avait un petit peu de divertissement comme le sport. À l'école, il faudrait, comment dire, que ça soit moins sous la pression, quoi. Mais j'ai toujours dit que pour moi, la meilleure année, c'était la 5e et la 4e. Parce que c'est là où je me suis le plus amusé. Au collège, c'était le moment le plus difficile. Parce que les gens, ils disent, oh, elle est petite. Ils se moquent de toi. Du coup, toi, tu te sens pas trop à l'aise. Tu te sens différemment et tout. Puis après, à un moment donné, bah, une fois accepté, bah, je suis petite, je suis la petite Hélène. Hein. Donc voilà, c'est moi. J'ai ma personnalité à moi, j'ai mon caractère à moi. Au début, c'était un petit peu difficile parce que eux-mêmes, c'était la première fois qu'ils prenaient une non-voyante. Donc j'ai dû les rassurer au maximum. À l'école alternative, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Donc c'est un peu bien parce que c'est pas stressant. Quand j'étais à l'école, j'étais de plus en plus lassé. Parce que le fait de rester tout le temps en classe, à écouter qu'un seul prof et à écrire, c'était un peu lassant. En fait, ici, c'est comme une école spécialisée pour handicapés. Mais en réalité, c'est une école spéciale pour moi.